Les habitants d'Adkar sont privés d'eau potable. Ils passent leur temps dans la forêt à la recherche de sources d'eau potable, une situation qui ne peut plus durer. On peut dire que tout le monde a contribué à ce délaissement, mais nous ne faisons pas attention aux arbres. C'est la plus grande partie par la mairie. Et comme vous le voyez, nous sommes obligés de couvrir les puits avec des rochers. C'est les habitants du village qui le font. Même les bêtes boivent de cette eau sale. J'espère que les autorités vont réagir. Les habitants parcourent de longues distances pour se procurer en eau potable. Nous nous sommes déplacés chez l'un des responsables pour avoir des explications sur cette situation. Voici ses déclarations. En 2014, la direction hydraulique a inscrit un projet dans le cadre sectoriel, et c'est un projet très, très, très bénéfique et énorme et grandiose pour la commune, qui dépasse les 140 millions de dinars, 14 milliards, où tout le chef-lieu, ainsi que les villages qui avoisinent le chef-lieu, seront alimentés par l'eau de source du lac Noir. Rana, au minimum à 50% de réalisation. À noter que l'approvisionnement d'eau potable pour cette commune est le seul rêve de ces villageois.